Putain, c'est ouf. J'espère que tu n'as rien. Ça a l'air d'aller. Alors, tu t'es réveillé? Il y a un trou sur le toit du cathédral. Iris. Et toi, tu m'as pas dit? Moi, c'est Cloud. On a fini par se retrouver? De quoi tu parles? Hein? T'as pas oublié quand même? Regarde, ces fleurs. Ah, la vendeuse de fleurs. On est où? Dans l'église du secteur 5, au bidonville. Tu es tombé. Tu as traversé le toit. Ça m'a surprise. Tu peux remercier mes fleurs? Elles ont dû amortir ta chute. Hein? Tu es chanceux. Oh, j'ai écrasé tes fleurs. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'en faire. On dirait pas, mais elles sont résistantes. Et puis, il s'agit d'un endroit spécial. Au fait, Cloud, tiens, t'as perdu ça? Ah. J'en ai une, moi aussi. Les matérias sont pas vraiment des objets rares. C'est vrai, mais la mienne est particulière. En fait, elle ne sert absolument à rien. Seulement que tu sais pas t'en servir. Ça doit être pour ça. Mais bon, c'est très bien au final. Je la porte surtout parce qu'elle me rassure. Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée. Dis, puisqu'on s'est retrouvés comme ça, tu pourrais rester un petit peu? Elle aussi est tombée sous le charme de Cloud. Ça en fait 3. Bravo. Génial! Bon alors... Je me permets d'entrer, hein? Toi, là, t'es qui? Attention! Lui, c'est mon garde du corps. Un soldat, en plus. Un soldat? Ancien soldat. Voyons ça. Il en a les yeux, en tout cas. La macro... Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein? T'es mercenaire. Quoi? Mon intuition ne me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord? C'est quoi le plan que tu nous mets là? D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose un rendez-vous avec moi. Hein? Ah, t'es un vrai soldat alors. Et ton grade? Première classe. Tu veux me faire croire que tes premières classes, elle est bien bonne. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Ce
sera pas long. Y a intérêt. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois. C'est étrange. Ça, c'est une information confidentielle. Dans ce cas, c'est normal que je m'en souvienne. Je vais te calmer. Que soit putain. Ma mission, j'y prends plaisir. Car je suis un vrai professionnel. Est-ce que t'es un vrai tu professionnel? Tu veux pas passer un moment électrique avec moi? Ah, il commence à me casser les couilles là, sans plaisir. Ça va chauffer. Ah.
Non, je peux pas l'attaquer déjà parce que il esquive, parce qu'il est super rapide. Et je peux pas m'attaquer au mid ou sinon ça m'explose à la gueule quoi. Est-ce qu'on peut le tuer comme ça sans déconner? En trollant un petit peu le jeu? C'était nul hein. Mais bon. C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais. Bon, j'avoue, c'était pas oufissime le combat contre Reno. Mais ils m'ont pas vraiment laissé le choix, hein, putain. T'es tellement en PLS. Mais la caméra elle me bloque. Il m'a empêché de tomber. Filons. Je passe en premier. Ça va. Peut-être pas. N'avise pas de lui faire du mal.
ou tu le paieras de ta vie. Pardon ? On a besoin d'elle. Au boulot. Je crois que ça a un rapport avec l'espèce. Qu'est-ce qu'il y a ? Va-t'en ! Ne bouge pas ! Je viens de te dire de pas tirer. Oui, mais... Je peux faire tomber ça. C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas m'approcher ! C'est quoi ? Putain, t'es sérieux, je... Allez. Ah merde, non, je me suis trompé de côté. Je vais te faire la peau. Putain. Je sais, putain, le gameplay pue la merde. Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit ? Non, on s'en va. Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe. Ah putain ! Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance ! Ce qui est dommage, c'est que par rapport à Renault, enfin Cloud par rapport à Renault, il n'était pas du tout rapide. Pas du tout rapide, il était vraiment au-dessus de nous. Que ce soit en attaque, en rapidité, en esquive par exemple. Putain, mais en esquive, on a tellement galéré. Il était clair que. Sortons avant qu'il nous rattrape. Que Cloud n'était pas du tout prêt en fait. C'est pour ça que j'ai un petit peu trollé le jeu. Ils ont laissé tomber. Voilà, j'ai tourné autour quand je pouvais utiliser un sort, je l'utilisais. Ça aussi, c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a... Oui, ils sont partis. C'est quoi ces choses ? À mon avis... Non, en fait, je n'en sais rien. Vite, partons. Dis, j'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde, tu vois le pilier là-bas ? À côté, c'est la gare. Cloud, allons-y. Ok. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin ? Tu es sûr ? Ouais. J'ai des doutes. Le type de tout à l'heure, c'était un des Turcs de la compagnie Shinra. Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir ? Aucune idée. Dis, les Turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non ? C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont impliqués dans plein de choses. Ils recourent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement... C'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce Turc ? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Ah bon ? Laisse tomber. Bah alors, t'es fâché ? Bon, tu viens. Fais attention, ça devient plus étroit. Merci. Ouais.
jamais fait ça. Je veux dire, de passer par les toits. D'habitude, les gens font pas ça. C'est marrant. Je trouve ça un peu grisant. Ouais, la première fois. J'ai vu qu'elle fera partie de mon équipe. Enfin, je crois, je suis pas sûr à 100%. Putain, je suis bloqué avec attends la putain caméra. Mais attends-moi. Tu pars tout seul devant sans même regarder si je te suis. Bah ben alors, je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. T'es méchant. Après, l'idée, ce serait pas porter une jupe hein, dans ce genre de. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui, personne ne nous grondera, rassure-toi. Genre pour grimper, courir, une jupe, c'est pas ouf. Hein. Bon, après, c'est ce que je dis, mais bon. Je vais monter en premier. Et bim, on est tombé. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. Oh non. J'ai vraiment eu la frousse. Tu m'as sauvé, Cloud. Un petit bisou alors. Oh, regarde, je rigole, bien sûr. La muraille. Maintenant, on peut plus rien dire. Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. C'est vrai que c'est dangereux. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai? Ça m'attire. Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. J'y pense un peu parfois. Ce paysage... En fait, je m'y suis habituée. Le bidonville est un endroit attachant. Les gens sont courageux et pleins de vie. Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire. Je me laisse passer en premier, merci. Cette fois, c'est moi qui passe devant. Autrement, tu avances sans m'attendre. T'es sûr de toi? Mais oui, tu vas voir. Tiens, regarde. Peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule. Tu ferais surtout mieux de pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens. Je t'écoute. C'est pas mon boulot. Méchant. Tu peux. Quoi? Oh. À ta place. Tu vois? Me donne pas plus de travail. Même la voix de Cloud me dit quelque chose sans déconner. Ça me dit quelque chose. Mais. Tu sais pas quoi. C'est une voix que j'ai déjà entendue il y a tellement longtemps, soit plutôt à la télé. Putain, il faut vraiment que je connaisse la personne qui interprète la voix de Cloud. Et de Barrett aussi. Tu peux sauter? Oui, bien sûr. Ton pain, hein. Charmeur. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Ok, donc il fait ici, partie de notre équipe. Ici, nous près de la gare du bidonville. Mais malheureusement, pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Eh ben... Ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Pas de quoi s'inquiéter. Ah
Alors, 2 secondes. Je vais quand même voir un petit peu ce qu'elle a. Bâton de défense. Est-ce qu'on peut lui insérer quelques trucs? Glace, vision, prière. Ok. C'est pas ouf, on va lui donner. La foudre. C'est pas ouf ici, mais bon. On nous dit les pare-balles, hop, voilà, c'est très bien. À voir ta tête, tu as l'air vraiment fier de toi. C'est une longue histoire, petite. Attends, j'ai même pas retenu son nom, elle s'appelle comment? Erin? Erin? Laisse, je m'en occupe. On a un petit peu en PLS. Tu ne connais pas très bien le bidonville, n'est-ce pas? Oh, donc toi, j'ai l'impression. L'entraînement, la caserne, le combat. C'est tout ce qui existe dans mon monde. Je rêve ou tu te la joues un peu? Les potions, ils servent plus à rien. Ils servent plus grand chose. Non, c'est pas là où on est arrivé, non? Bon, je suis plutôt content du personnage de Cloud, parce que là on sent bien qu'il y a vraiment une évolution au niveau de du perso. C'est ça, la gare. J'aurais deviné tout seul. Moins froid. Ah bon, je croyais que ça n'existait plus pas humain. Dans ton monde à toi. Très drôle. Peut-être à cause de Barrett et toute la team. Du Fa aussi. On dirait qu'ils se rendent pas compte. Les efforts que ça nous a coûté pour bâtir ce réacteur Mako. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait? Je vous en prie, gardez votre calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, regarde! Du calme, reste sage s'il te plaît. Il y a du monde ici. C'est un bon endroit si on veut voir le réacteur. Regarde. Oh. Ils l'ont détruit encore? Il est vraiment en train de brûler. Ça les amuse. Mais non, ils sont inquiets surtout. Iris, t'es venue voir toi aussi? Iris. Hein? En quelque sorte. Ah, t'es encore allée à l'église? Oui, peut-être. Je suis contente de voir que tu n'as rien. Y a pas eu de chute de débris là-bas? Non, ça va, pas de débris. T'as vraiment eu de la chance à mon avis. Cloud. Sois bien prudente.